The OVO Energy Women's Tour once again played host to all of the top teams in women's cycling. And they don't only consist of the greatest riders. Their support networks stretch much further. Mechanics provide essential support throughout the season. And we followed FDJ's Thibaut Dingicourt to find out more. Je suis devenu mécanicien parce que c'était un métier passion. J'ai toujours aimé la mécanique. Et voilà, j'ai travaillé en magasin de vélo avant. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis dans l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Ce que je trouve le plus beau dans ce métier, c'est le contact avec les athlètes de haut niveau. Les voyages et les rencontres avec beaucoup de personnes, que ce soit dans le staff des autres équipes ou avec le public ou les autres athlètes. Le programme de la journée est très long, il commence très tôt. Je me lève environ vers 6h30 le matin. Je prends mon petit déjeuner, ensuite je viens au camion. Je sors tous les vélos, je les gonfle. Ensuite, on met les vélos sur les galeries. On part au départ. Arrivé au départ, on décharge les vélos. On remet les roues avant pour les vélos qui étaient sur la galerie du camping-car. On contrôle tout. Donc à l'arrière de la voiture, je suis assis à côté de ma caisse à outils et des roues de rechange. Pendant la course, j'écoute les infos de Radio Tour. Donc je suis prêt à intervenir si jamais il y a un problème mécanique ou une chute. Je note aussi les différents dossards des échappées, des choses comme ça. Et parfois, je suis les courses sur Twitter ou je fais des lives des courses sur Twitter. Ce que je déteste dans mon travail, c'est quand j'ai un problème en course, quand j'ai un souci mécanique en course. Quand il y a un problème pendant la course, je sors, par exemple si c'est une chute avec une roue avant et une roue arrière. Sauf si avant, une fille nous a communiqué qu'il fallait un vélo ou spécialement juste une roue avant ou une roue arrière. Après la course, nous rechargeons les vélos sur les véhicules, nous arrivons ici, nous redéchargeons, nettoyage des vélos, contrôle, remise en état des vélos pour la course du lendemain. Donc après la course, une fois que nous sommes revenus à l'hôtel, nous sommes maintenant 2 mécaniciens dans l'équipe sur les courses par étapes. Donc généralement, il y a un mécanicien qui s'occupe de laver tout ce qui est vélo, roues et véhicules, voitures, camions, camping-car. Et l'autre mécanicien qui sèche, qui contrôle les vélos, changement de vitesse, les boyaux, qui remet vraiment le vélo propre pour le lendemain. Ah, donc pour moi, la différence entre être mécanicien dans une équipe homme ou femme, ça va être surtout au niveau des moyens humains. On a un petit peu moins moyens humains, moyens logistiques. On a des camions qui sont un petit peu plus petits. Mais maintenant, on est quand même un peu plus... on est plus souvent 2 mécaniciens, le confort s'améliore. Et on utilise, on va dire, le même matériel que les équipes pro-hommes. Au niveau du matériel, on est vraiment bien équipés.
Oui, si j'ai un gros problème, que ce soit une casse de roue ou une casse de cadre, faut changer directement le soir après la course, et des fois on peut finir tard. C'est un des inconvénients du métier.